notre considération à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, pour ses initiatives clairvoyantes et qui nous permettent aujourd'hui d'être là, dans un espace de football de qualité et standard mondial, et qui, évidemment, vient renforcer les édifices footballistiques de notre pays. Le Maroc abritera du 1er au 11 février cette édition de la Coupe du Monde des clubs. C'est la troisième fois que le Royaume du Maroc le fait et qu'il organise en collaboration parfaite avec la FIFA. Ce sera une occasion pour mettre en œuvre les évolutions positives de notre pays, de notre royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a évidemment initié une feuille de route de développement global pour notre pays et qu'on entreprend dans la sérénité et la détermination absolue. C'est une occasion aussi pour exprimer les aspirations de notre peuple, de notre royaume, pour être parmi ceux qui, évidemment, souhaitent et expriment la détermination d'organiser les grands événements du football. C'est une volonté constante qu'on a affichée, qu'on continuera à afficher avec beaucoup plus de détermination et d'enthousiasme, de travail, de développement. Vive le football, vive la FIFA, vive le Royaume du Maroc. Et encore une fois, bienvenue.